tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc ça va être une première vidéo pour faire l'arbre généalogique des petits chachouks qui sont nés chez moi. Et on va déjà faire dans un premier temps, voilà, sous forme d'arbre. Comme ça, ça va permettre de collecter les photos pour remplir l'album. Hop là, des chenillimaux versaires. Donc j'ai quand même réussi, enfin j'ai quand même déjà récupéré des gens qui m'ont donné leur information, mais on va faire ce qui concerne l'élevage. Donc tout, alors mes photos sont pas, je vous avoue qu'elles sont pas terribles, terribles. Tout a commencé avec Joy. Donc Joy, Poupinette, c'est le premier ragdoll que j'ai acheté. Donc je pensais pas du tout faire l'élevage, pas du tout, mais je l'avais acheté quand même entière, donc non stérilisée, pour au cas où. Donc on va la mettre là, Joy. Donc elle a pris 2 ans et j'ai trouvé un mâle extérieur qui s'appelait Gribouille. Voilà, Gribouille, voilà, très beau mâle. Voilà, donc Joy et Gribouille ont eu 2 chatons, Néo et Ninon. Voilà, donc je les ai en photo. Attendez que je vous trouve ça. Et tac tac, et ben c'est ça. Oh, ça colle. Ils sont là, bon, c'est pareil, mes photos sont pas extraordinaires. Donc on a Néo ici et Ninon ici. Néo qui ressemble très fort à Joy. Donc ça, c'est les premiers. On va les coller comme ça quand j'aurai complété mes arbres. Je pourrais faire la même chose, mais en image. Alors, je les colle vite fait, en collant une feuille brouillon, je vais prendre celle-là. Alors, Gribouille. Joy. Néo. Donc ça, c'est mes 2 premiers chatons. Ok. Voilà. Ah ben j'ai mis Ninon en bleu. Ouais, c'est pas grave. Donc ça, on fait ça. Ensuite, est arrivé. Alors, je vérifie quand même sur mon livre d'entrée-sortie. Donc, est arrivé notre gros doudou Nirvana. D'accord? Alors, Nirvana. Nirvana. Donc pour l'instant, on le met tout seul. Il ne va pas y rester longtemps. Hein. On vous le dit. Nirvana. Ok. Ensuite, on garde de côté. On verra plus tard. Je vous donne l'ordre des entrées, quoi. En fait. Ensuite. J'ai eu des nouveaux bébés avec toujours Joy, parce que Nirvana était encore trop petit. Et comment il s'appelait? Il s'appelait Milky Way. Donc Joy et Milky Way, encore un mâle extérieur, mais de la famille de Nirvana. Enfin, famille Milky Way. Enfin, même élevage, on va dire, plutôt. Parce que pas la même famille. Et heureusement, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, Joy. Et Milky Way. Donc, Joy et Milky Way, ils ont eu 2 chatons. Joy, c'est pas la reine
de la production, et ça on s'en fiche, du moment que les chatons vont bien. Donc deux chatons, hop, et hop. Donc deux chatons nommés Hollywood. Et au Sakura. Hollywood, j'ai une photo là. Voilà. Au Sakura, bah, va falloir que je fasse des demandes. Donc voilà. Ok, ça. Normalement, Hollywood, vous avez peut-être déjà entendu parler. Ça devait être mon futur mâle reproducteur pour prendre la suite de Nirvana en fait. Même si Nirvana était encore jeune à l'époque. Mais je voulais un reproducteur, la perle des anges. C'était mon premier essai. Donc, voilà. Donc ça, c'est une famille entière. On est d'accord. Ensuite, on a, qui rentre dans l'élevage, deux sœurs. Osmose et Olympe. Osmose. Osmose et Olympe. Jusque là, tout va bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a Olympe et Nirvana. Hop, on reprend Nirvana qui est ici. Osmose, je vais la coller. Hein. Je vais la coller là. On la laisse là et je prends Olympe. Donc on a ici Osmose et Olympe, bah c'est sa sœur jumelle, hein, donc même tête. J'ai des photos, je vous montrerai. Donc premier bébé de Osmose et Olympe qui nous donne trois chatons. Alors on a deux gars et une fille. Donc, deux gars, une fille. Un, deux, trois chatons. On a Pandora. Ça, je pourrais vous avoir des photos, il n'y a pas de problème. On a Pixie et Picasso. Pikachu. Voilà. Donc on met ça comme ça. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Naissance, Pythagore, il était tout seul. Peut-être qu'il était tout seul. Donc, on remet ça ici. Donc là, on a une famille complète. On reprend un arbre. On a donc de nouveau Joyce. Ah bah Joyce, non. Troisième portée. Mais ce coup-ci avec Gros Doudou Nirvana. On va faire ça comme ça. Donc Joy. Et Nirvana. Voilà. Et il nous donne un petit garçon. Qui s'appelle Pythagore. Qui ressemble, j'ai pas de photo mais j'en aurai. Qui ressemble... pareil à Joyce, tout craché. Donc Pythagore. Voilà. Et voilà une petite famille. Ouais, Joy. Un à la fois, pas trop vite le matin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a?
On a donc Hollywood, très bon reproducteur, si je puis me permettre, toujours au taquet. Donc Hollywood, le fils de Joyce. Hein. Donc Hollywood fait des bébés avec osmose. Ah bah elle est là, osmose. Voilà. Donc Hollywood. Et donc, ils ont 4 bébés. Donc, on a 3 filles et un gars. Donc, on a Pixel. Pétale. Donc, la Minette qui s'appelle Katoche chez mon veto a pété. Et Pépite. Pépite. Pixel et Pépite, ils vivent au même endroit. Voilà. Donc voilà une petite famille. Je vais peut-être le faire en deux parties. La vidéo, j'en suis à combien de minutes là? 11 minutes, ça va. Ça ne dure pas trop longtemps. Je vais faire 20 minutes, quoi. Hein. Je ferai plusieurs parties. Voilà, donc là, une petite famille. Ok, on met ça là, c'est au complet. Ensuite, nous avons... Qu'est-ce qu'on a? Olympe et Nirvana. Donc Olympe. Et Crodoudou. Ah, il y a un petit truc qui traîne. Nirvana. Hop. De Olympe et Nirvana naissent 1, 2, 3, 4, 5 chatons. Quand même, ça commence à faire du bruit, 5 chatons. Hein. Je vous dis qu'au niveau de comment dirais-je, de l'intendance, ça y va. Donc, c'est de ces 5 chatons naissent. Alors, que je vous dise pas de bêtises, on a. Donc, Rosette, petite fille, Rosette, Réglisse, on a, j'aurais pu mettre les dates de naissance, Ramsès, Romulus, et Romy. C'était quoi, un gars ou une fille, ça? Je crois que c'est... Ah, je sais plus. Et puis, j'ai pas noté. Ah, ben, crotteur. Bon, Romy. Il y a un trou. Il y a un trou, ça. Donc, voilà. Donc, Rosette. Donc là, c'était chouette cette histoire de Rosette, puisque c'était une petite fille qui avait très peur des chats. Et donc, quand son papa m'a appelée, je lui ai dit, mais alors là, vous pouvez venir. Puis à ce moment-là, je devais avoir d'autres chatons de toute taille. Et donc, elle est venue et bah, ça s'est très bien passé, parce que les chatons sont adorables, pas d'agressivité ni rien. Et du coup, après, quand je recevais des photos de Rosette, eh bien, elle s'en servait comme sa poupée, elle lui mettait des trucs sur la tête et tout ça, elle disait rien, trop mignonne. Et Réglisse, c'est pareil, l'histoire de Réglisse, c'est une dame donc, qui habite près de chez moi. Son mari a dit, bah, t'es 60 ans, je t'offrirai un chat.
Donc, ok. Et donc, il regarde sur Internet et là, il voit Cormeilles-Royal. On habite dans la même ville. Hein. On habite à, je sais pas, 1 km l'un de l'autre. Donc, c'était super, quoi. Donc, voilà. Donc, j'en suis à. Allez, je refais une autre petite famille. Donc, là, j'aurais pu mettre. Ils sont nés le 13. Ils sont nés quand? Le 13. Alors, attendez, je vais faire ça. En profiter. Le 13-03-2020. 2020? 2020, ouais. Ça, là, je vais en profiter. Je revais en arrière. Alors, là, on a du pétale. Nani, nani, nana. Eux, ils sont nés le 19-07-19. 19-07-19. Pythagore, tout seul, le 15 avril-19. 15-04-19. Pixie et tout ça. Eux, ils sont nés quand, les petits loulous? 28 février. 19. Hollywood. Il est né quand Hollywood? Le 28 mars 2018. 28 03 18. Et Nino Néo, ils sont nés le 14 mai 2017. Voilà. Allez, on refait une autre petite famille et après je ferai une deuxième vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre après? Après ces quatre loulous, on a le ça, là. Alors, on a Osmose et Nirvana. Donc, il me faut un âme. Osmose. Eux, ils ont eu combien? 1, 2, 3, 4 loulous. Quatre loulous. Donc, Osmose. Nirvana. Donc, ils ont quatre petits loulous qu'on appellera donc Ruby, Ruby, Rio, Rumi. Donc, on a Ruby comme ça, Ruby comme ça, Rio comme ça et Rumi comme ça. Et eux, les petites beautés, ils sont nés. Donc, ils sont nés quand, ces petites beautés-là? Le 2 mai 2020. C'est ça, les deux? 02-05-20. 02-05-2020. Voilà, donc c'est la première partie des ordonnées généalogiques de la perle des anges. Je refais une autre vidéo pour que ce ne soit pas des vidéos trop longues. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la partie suivante. Salut, salut!